c'est pas évident parce que tu es là, tu croises les mecs, mais en même temps, tu fais pas partie du quotidien, tu partages pas des petits moments simples qui sont importants, qui sont l'entraînement et tout ce qui est autour, quoi, la vie de l'équipe. Donc c'est un peu frustrant, rageant, mais bon, il faut prendre son mal en patience, penser à soi, bien récupérer de la blessure, et puis après aussi réussir à s'ouvrir, voir d'autres choses, d'autres projets, parce que voilà, quand tu t'arrêtes sur l'activité rugby, tu vois qu'en dehors de ça, il y a d'autres choses qui se passent, tu as envie de penser aussi à l'après, à réfléchir à des projets, donc ça m'a permis aussi de faire d'autres choses et de m'ouvrir à d'autres espaces, notamment la lecture. Ça faisait un moment que je voulais reprendre et j'ai pu reprendre, donc c'est cool. J'avais déjà réintégré l'effectif, j'étais déjà à l'entraînement, même si je matchais pas. Et on sent qu'il y a une énergie positive, une énergie qui est différente, tout le monde va dans le même sens. On a retrouvé un peu de confiance, un peu de plaisir. Et ça, c'est super positif. Après, on sort d'une déconvenue à Pau où le match n'était pas évident, on n'a pas mis les ingrédients nécessaires pour rivaliser face à cette belle équipe de Pau qui a été meilleure que nous et qui avait plus envie que nous sur ce match-là. Et ça, c'est une vérité et c'est terrible à dire. Maintenant, voilà, on a une belle semaine de travail qui se propose face à nous pour un déplacement à Brive qui s'annonce très périlleux. Et on sait que c'est peut-être l'un des meilleurs endroits pour justement se tester au niveau du combat, de l'agressivité et de l'engagement. Ouais, on sait que la Blue Army est présente sur tous les déplacements. À Pau, malheureusement, on n'a pas réussi à les rendre fiers et c'est un crève-cœur parce que ils étaient nombreux et eux, ils nous ont poussés, ils nous ont pas lâchés du début à la fin, comparé à notre performance. J'espère qu'ils seront présents à Brive. Je sais qu'ils le seront et qu'ils feront beaucoup de bruit. Donc, merci à eux et ce sera très important pour la fin de notre championnat.